Inch'Allah, dans ce petit direct, nous allons commencer par une révélation, ce qui se prépare, cette trame entre Idi Amin et Doumbouya. Allez, vous allez voir sur YouTube, Doumbouya et Idi Amin. Parce que, je le dis souvent dans les lives, pourquoi Doumbouya ne vient pas dire simplement qu'il sera candidat, mais là, Alain Diallo l'a bien dit, que dans quelques jours, il va annoncer sa candidature. Mais Inch'Allah, je tire l'inspiration, l'information, et je vois pourquoi Alain Diallo dit que dans quelques jours, Doumbouya va annoncer sa candidature. Mais ce qui pose problème, et pourquoi jusque-là il ne le dit pas? Voilà, jusque-là, pourquoi il ne le dit pas? Ah, donc bonsoir partagé. Dans un second temps, je veux d'abord faire écouter en premier temps une vérité, une réalité. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas la vérité. Comme cela ne vient pas de moi, nous allons écouter parce que le monsieur là, monsieur Maurice Sanda, vous avez entendu son intervention par rapport au pourquoi la Guinée a été réintégrée. Et là-bas, je remercie Selda Diallo pour cette petite réponse catégorique. Parce que Selda n'a pas répondu, parce que c'est pas la peine de le répondre. Selda a simplement dit qu'il répondra par rapport à la réintégration de la Guinée à l'OIF. Parce que c'est malvenu, le moment n'est pas, c'était pas le moment. Et il est revenu sur ce que nous avons dit. Pourquoi la Guinée ne devait pas être réintégrée dans une institution? C'est l'âge qui le dit. Cela vient d'une personne très très bien indiqué pour donner son avis dans ce pays, qui n'est autre que Elias Sedalen Diallo. Il est bien indiqué pour donner son avis dans ce pays. C'est le patron du plus grand parti politique. Nous sommes du pouvoir. Voilà. Donc, Agni Tuyafonyoye. Mais, chers frères et sœurs, nous allons commencer par vous faire écouter ce monsieur, cet éminent professeur de philosophie, cet éminent sociologue, cet éminent journaliste, cet éminent politologue, qui dit les choses telles que parce qu'il avait fait une première déclaration. Il revient encore à la charge pour nous aider à éclaircir un peu la mémoire des personnes perdues. Et ça, vous comprenez. Donc, parce que ce qu'il dit là, Andel Bafo, on dit qu'on dit non, c'est des partisans, des frustrés. Voilà le mot, les frustrés. Ceux qui disaient avant là, les frustrés du RPG sont derrière nous aujourd'hui pour demander pardon à Nibéaro, à Nyukuma. Hey, Mbara Falignana, moi Benito. Aywa Dunia Mili. Ah, regardez Black M. Black M, un artiste qui est perdu en France, qui ne fait plus de chemin en France, il n'a plus de marché en France, il n'a plus de concert en France, il est venu prendre sa part. Moi, je le félicite, hein. Ils ont sorti le chéquier. Combien de milliards? Oui, et là, c'est Héros qui prennent. Donc, vous comprenez. Black M a raison. Moi, je ne suis pas contre. Hein. Il est venu chercher sa part. Pour pouvoir prendre sa part. Ronaldinho a pris sa part. Qui aussi? Qui était venu prendre sa part aussi? Ils sont nombreux. Chacun doit venir prendre sa part. C'est l'argent des mines guinéennes. C'est l'argent du contrôle guinéen. Si les Guinéens n'en veulent pas, les autres n'ont qu'à venir chercher. Alatokata, allez. Vous ne voulez pas, mais les autres viendront chercher. Black M, le chéquier est sorti. Eh bien, je sais, on m'a expliqué comment il est arrivé. C'est Guy Bayakite qui l'a invité. Vous cherchez les images et autres. Mais s'il vous plaît, je vais d'abord insulter un peu. Je vais d'abord me rebeller contre ceux qui nous ont traités dans ce pays. Hein? C'est ça même. Il est français, il n'est pas, écoutez très bien, il n'est pas franco-guinéen. Il n'est pas franco-guinéen. Il est français. Il y a ceux qui sont partis obtenir leur passeport Schengen et devenir franco-guinéen. Oui, oui, comme Mamadi Doumbouya. Mais ce dernier est un simple français. Mais vous le donnez un passeport diplomatique. Oui. Depuis que, excusez-moi, M. Kaba a reçu le passeport diplomatique. Quand vous regardez Grand-P peut dire quoi devant un chef d'État pour qu'il arrive à comprendre? Non, je ne suis pas en train de me moquer de lui. Vous remettez, écoutez,
Vous n'avez pas de respect pour le passeport diplomatique. Parce que vous êtes des jeunes, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle un État. Je l'ai dit une fois là, les gens m'ont insulté. Le problème entre vous et nous, c'est que vous ne connaissez pas la définition d'un État, d'une république, d'une commune, d'une mairie, d'un gouvernement. Non. Parce que si réellement vous avez pris connaissance de la définition d'un État, je parle de ETAT, à grand, un État, vous ne remettrez pas les passeports diplomatiques à n'importe qui. Je ne suis pas. Grand P, c'est un frère. Grand P, nous avons vu Grand P à Madina. Ceux qui sont de la casse là, demandez, prenez ma photo, envoyez à la casse. Ceux qui réparent les voitures juste sur le bord de la route là, ils me connaissent très bien. Moi, je voyais Grand P là. Grand P à Madaba. Donc, mettez Grand P de côté. Mettez, ce n'est pas la faute de Grand P. Vous avez mis plutôt Grand P dans des problèmes. Grand P, dans les conditions normales, ne devait pas recevoir un passeport diplomatique. Regardez le Grand Congo Kinshasa avec tous les artistes, des renommés ambassadeurs du Congo Kinshasa dans le monde. Fally Ipupa, Enoxy, tout le monde. Mais qui a un passeport diplomatique? Kofi Olomide. Qui a un passeport diplomatique? Kofi Olomide. Et c'est tout récemment, il l'a reçu. C'est Kofi Olomide qui a le passeport diplomatique. Mais quand vous regardez Fally Ipupa, c'est l'ambassade, c'est-à-dire c'est la personne même. Mais pourquoi on ne l'a pas donné? Ils sont nombreux. Voilà. Maintenant, si vous remettez le passeport mais c'est entre Français. Vous avez vu, il est parti saluer à l'ambassade de France. On dit, regardez le mot. Lorsque Black M est parti à l'ambassade de France, on dit il est arrivé chez lui, sur le territoire français. Est-ce qu'ils ont menti? Non, c'est une réalité. Sauf que la publicité que vous cherchez, moi, Benito, je ne peux pas aller en Guinée et puis partir à l'ambassade des États-Unis. C'est pourquoi? C'est pour me vanter, me flatter par rapport à quoi? Je cherche quel nom? Il y a plus de 200 enfants nés aux États-Unis. Ce sont des Américains. Leurs parents les ont envoyés en Guinée pour étudier. Ils sont dans les écoles là-bas. Mais si on ne vous dit pas que des enfants là sont nés aux États-Unis, il y a beaucoup, moi je connais. Je connais deux femmes ici. Nous avons étudié ensemble à maman. Son garçon, le deuxième garçon, est jusqu'à là-bas, en train d'étudier au collège. Il est né aux États-Unis, ici là. Aux États-Unis, les enfants sont nés ici. Elle est à Delaware ici. Son enfant est né à Delaware ici. Il est en Guinée. Il a envoyé son enfant pour étudier l'école coranique, pour avoir la culture de son pays. Parce que l'enfant n'est pas guinéen. Donc l'enfant doit apprendre sa culture. L'enfant ne fait que venir en vacances et puis retourner. Une autre aussi, une amie à nous, son enfant, c'est parce que son père dit Guiraï. L'enfant est à Daboula en train d'étudier. Oui, plus de 200, ils sont en Guinée, c'est des enfants américains. Mais est-ce que les enfants la partent si l'ambassade n'a pas besoin, si ce n'est pas un document les concernant, il faut renouveler tel, ou bien l'assurance ou autre, les enfants se prennent à l'ambassade pour faire l'application afin qu'on envoie ici, on envoie les cartes sociales. Et puis c'est tout, à part ça. Mais si vous remettez un passeport diplomatique, bref, c'est pour vous, vous ne connaissez pas la définition d'un passeport diplomatique. Bande de vauriens, de naïfs. Donc, portez-vous bien. Donc, vous nous avez insulté. Dans le discours de Doumbouya du 5 septembre, il a parlé de culte de la personnalité. Je donne raison à mon ami aujourd'hui qui travaille à l'administration du territoire. Il m'avait dit, lorsque je l'ai raconté, le vieux qui ne sait même pas parler, un vaurien qui dort au boulot,
parce qu'il paraît que le vieux somnole. Il somnole au bureau. Le ministre de l'administration du territoire somnole. Il dort au bureau. Le ministre de l'administration du territoire, le vieux là, il dort au bureau. Il dort au bureau. Mon ami m'avait dit, Benito Lani, à Brabant. Élection mon assaut la Guinée. Divine enfant Riki. Élection mon abessoro. Alors, Luna. Donc, voilà aujourd'hui. Ils ont confectionné. À quel prix? Par photo. Plus de 2300 effigies de Mamadi Doumbouya. Je dis bien. 2300 effigies de Mamadi Doumbouya. Chiffre net. Des photos là où il est en tenue militaire. C'est la seule photo. Mais que quelqu'un de l'administration du territoire vienne me dire le contraire. À combien? Combien a coûté un seul et quoi appelle ça? Une seule effigie. Combien a coûté une seule effigie? Et qui a le contrat? Qui a obtenu le contrat? Comme vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Vous avez à l'administration, il n'y a plus de boulot. Le document qui a été remis à Général Condé, la première phase, ce sont d'abord les délégations. Les délégations, il faut installer des délégations en fonction des personnes qui ont mouillé le maillot pour Mamadi Doumbouya. Voilà, aller dans toutes les communes. C'est les premières personnes qui ont mouillé le maillot pour Mamadi. La deuxième vague des personnes, les personnes qui ont mouillé le maillot pour Mamadi tout récemment, doivent être installées comme chef de quartier, non, chef de district du moins. Chef de district, et je ne sais pas, conseil de chef de quartier. Ils ont créé tous ces postes. Ça, c'est pour des personnes perdues, les inintellectuels dans le quartier des escrocs, Nafigi, escrocs ou le même quartier qu'on a, et conseiller du chef de quartier. Voilà un aussi qui va passer toute la journée au niveau du chef de quartier, les pieds comme ça. Moutan la Guinée, colon, Andrika la Guinée, l'homme, mais Andi la Guinée. Comme un gué la Guinée, maintenant, Noantal la Guinée, des escrocs. En ce moment-là, en sortant le matin, il dit à sa femme, Fafé, n'a ma touran, en dépense automne, n'a tour, n'a ma fin de dépense, ils seront. Ah, n'a fait cap, n'a ma tour, ah là, mais c'est là-dedans, quelque part, maintenant, c'est même dépensé. Voilà, c'est les activités. Le ministre de l'administration du territoire va imposer à tous les villages du Fouta, Fouta, Moing, Haute Guinée, Guinée forestière, des chefs sectaires, des chefs de village qui sont pour Mamadi. Mais ce qui est honteux, Mamadi a dit clairement qu'il n'y aura pas la personnalisation du pouvoir. Quand il a dit, il a soulevé la tête, il a dit le gros mot, il ne connaît pas le sens même du mot. Il n'y aura pas de la personnalité du pouvoir. Il a fait sa tête comme ça. Il n'y aura plus de personnalisation du pouvoir. Il a regardé les gens comme ça. Fait sa tête comme ça. Ouais, il vient de dire un gros mot. Ouais. Aujourd'hui, là, les petits quelqu'un sont en train de payer une effigie aujourd'hui à 200 000. Et tellement que l'argent est en abondance dans les caisses de Mamadi Doumbouya. Effigie à 200 000. Kono, c'est un bon, c'est un vrai calligraphe. Escroabe ou yafola. Nous n'avons pas de route. Regardez la route aujourd'hui, la vidéo qui circule entre Dabola Farana. On peut dépenser au moins 100 millions pour fermer le trou là, pour permettre aux gens de passer. Mais Dabola Farana est bloqué aujourd'hui. Le pays de Idi Amin. Général Idi Amin. Idi Amin. On préfère mettre plus de 500 millions dans effigie, photo d'un sanguinaire, d'un délinquant. Ah oui, c'est Koukaba, c'est ça. Oui, c'est un très bon élève d'Alpha Condé. Restez dans ça. Imbécile. Donc, et pourtant, je peux vous lire un petit extrait.
un tout petit extrait d'un homme qui a été choisi par son peuple, qui a été délégué porte-parole du peuple, qui a été choisi par sa population pour le représenter. Et voilà ce qu'il dit. Minute. Regardez le monsieur, le voici si vous le connaissez très bien. Le voici ici. Voilà. Regardez ici, Bassirou Diomaye Faye. Il dit, je ne veux vraiment pas de mes photos dans vos bureaux. Car je ne suis ni un dieu, ni une icône. Mais plutôt un serviteur de la nation. Et il continue, tellement qu'il est responsable, il a été élu, sait que le peuple a confié un travail. S'il ne le fait pas, le second mandat ne sera pas obtenu. Voilà comment ça marche. Il dit, il continua, accrochez plutôt les photos de vos enfants et regardez-les à chaque fois que vous voulez prendre une décision. Je ne sais pas si vous avez compris ce monsieur. Il dit qu'il ne veut pas du tout ça. Il n'a pas interdit, hein. Il n'a pas interdit. Il dit qu'il ne veut pas du tout sa photo dans un bureau. Parce qu'il n'est pas un dieu ni une icône. Mais de préférence, accrochez les photos de vos enfants, de votre famille. Pour qu'à chaque prise de décision, quand vous voulez prendre une décision contre la nation, vous voulez voler, vous voulez détourner, regardez vos enfants. Regardez votre famille, pensez-y, pensez-y. Et tandis que dans notre pays, on démultiplie plus de 2000 photos d'un criminel, quelqu'un qui doit répondre devant la justice. Je passe. Et le suivant, écoutons ce monsieur, écoutez-le, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas comme eux, ne vous en faites pas. Voilà. Parce que en Allemagne, alors, Doumbouya, là, il va faire la prison à vie. La prison à vie. Ce n'est pas sur le problème, sur le cas des vols, hein, vol d'argent, de tout le monde. Non, non, non. Sur le cas de tuerie. Le cas de tuerie, même Selouda Ndiallo l'a répété. Au moment où on réintégrait la Guinée à l'OIF, parce que ce que j'ai aimé, c'est Selou, il a ignoré Maurice Anda. Maurice Anda, c'est un menteur. Parce que Maurice Anda dit que l'OIF a regardé, non, Maurice Anda, non, Maurice Anda était bidon. Je ne sais pas si, même le caca dans la tête l'a réfléchi, plus que Maurice Anda. Il dit que l'OIF a regardé notre agenda, nous avons mis un plan, donc ils ont adhéré à ce plan-là. Mais Maurice Anda dit, nous le plan, c'est tout. Toi, tu ne connais pas ce que tu es en train de dire. Dis-nous le plan, c'est 2040. 2040, quoi c'est la refondation, un mot que tu connais même pas la signification. Écoutez, excusez-moi, hein. Voilà, excusez-moi, écoutons ça ensemble. Peut-être, moi je ne comprends pas français, mais je pense que vous allez mieux exploiter ce qui va se dire ici. Attendez. Moi je vais être simple. J'ai appris avec l'un des premiers philosophes politiques qu'on appelle Platon, que grosso modo, dans une cité, il y a ceux qui sont chargés d'administrer la cité, qui sont les gens de pensée. Il y a ceux qui sont chargés de défendre la cité. Et puis il y a ceux qui sont chargés de faire le commerce, de faire les affaires, la production en somme. Ouais. Les gendarmes, ouais, défendent la cité, c'est leur travail. Ouais. Ils ne sont pas faits pour diriger la cité. C'est pour ça que Platon dit que la vertu principale des gendarmes, c'est le courage. C'est le courage. Le militaire fonctionne à la force brutale. Il va en guerre. Voilà. Quand un homme qui est formé pour faire la guerre, ils ont fait l'école de guerre. Ceux qui dirigent nos états, beaucoup ont fait l'ENA, ils ont fait Polytechnique, n'ont pas fait l'école de guerre. Ouais. Quand vous faites l'école de guerre, vous vous battez, vous revenez prendre la direction d'un état. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Tous les problèmes doivent être, à la limite, réglés à
la force et à la violence. Ouais. Même les questions les plus diplomatiques qui pourraient être approchées de façon assez intelligente. Non, tout de suite, on bande les muscles, on sort les armes, on veut se battre. Ouais. La vocation de l'armée n'est pas de prendre le pouvoir et de diriger. Celui qui veut le faire, ouais, il démissionne. Il fait de la politique. C'est ça. Parce que c'est par la parole qu'on gouverne l'espace politique. C'est pas avec la force. Quand ils prennent le pouvoir, qu'est-ce qu'ils font en termes de gouvernance? Oui. Qui sait aujourd'hui objectivement comment la Guinée est gérée? Et qui peut nous faire aujourd'hui l'état des biens acquis depuis 6 mois, depuis 1 an par la junte? Et qui exerce le contrôle? Et est-ce que l'administration fonctionne comme elle devrait fonctionner? Et qui peut aller voir un général proche de Mamadi aujourd'hui pour lui dire « faites le point de vos biens »? Et une déclaration de biens. Qui? Et mais il n'y a plus de transparence parce que on est en guerre et parce que c'est la logique des armes. Pourquoi vouloir remplacer une gouvernance où on essayait de voir un peu plus clair parce qu'il y a une administration qui fonctionne avec une gouvernance qui fonctionne à la violence? Donc, pour dire ce que je pense, tous les arguments sont... Hé, hey, tonton. Hé, hey, tonton. Hé hey. T'as dit, tonton, vous avez résumé tout. Tonton, moi, je ne veux plus parler. Je ne veux plus parler. Ça, c'est pour ceux qui sont allés à l'école. Ah, c'est ça. Parce que le... Moi, je pense que monsieur Ousmane Gawalo, Ndianga Bouribedogo, lui, il est professeur de philosophie avant d'être professeur, avant de rentrer dans le système, médiatique. C'est un professeur de philosophie. Il a fait journalisme encore. Monsieur Ousmane Gawal, il a tout dit, mon frère, Keita Mandebassa. Mon ami Maurice Anda, tu ne peux pas parler devant ce monsieur. Tu t'arrêtes devant ce monsieur, il va te recadrer. Parce que ils disent tout simplement, il dit ici que les militaires sont faits pour défendre la cité. Ils ne sont pas faits pour gouverner. Mais qu'est-ce que vous nous chantez dans ce pays qu'on a? Hein? Est-ce que vous comprenez? Mais dis donc, ce n'est pas un... Si un militaire veut faire la politique, on dit si tu veux gouverner un pays, tu fais la politique. Tu laisses la tenue. C'est-à-dire tu quittes. C'est ce que nous avons dit ici. C'est ce que nous avons dit ici. Si Doumbouya avait fait la politique, personne n'est contre Doumbouya par rapport à sa candidature. Mais s'il veut être candidat, il rend le pouvoir, il s'en va, il fait la politique. Les petits artistes qui crient son nom là, personne n'ira chez lui à Cancan pour le trouver, non? C'est parce qu'il a les armes. Le monsieur dit, pour des petites questions comme ça, on se bande, on retrousse les manches, on veut se battre. C'est ce que nous avons vu tout récemment. Entre les éléments des forces spéciales, pour un petit truc, ils ont pris Kaloum en otage. Dans un pays normal, un président élu démocratiquement, vous pensez que les gens vont sortir les armes parce qu'il y a un petit détail, le chef de l'État est là. Là où il dit là, il y avait un président démocratiquement et on veut voir un peu la gouvernance et pas fond. C'est la vérité. Keita, je vais t'envoyer ça, mon frère. Mandez-moi ça. Si tu veux, je t'envoie la vidéo. Voilà, tu as mon numéro, écrit, m'a dit que c'est toi, je t'envoie la vidéo. Il n'y a pas, mon frère. Tu vas écouter. Donc, Koumati, maintenant tu vas envoyer ça à ces gens, ils vont t'insulter. On dit non, les gens là, parce que. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On dit non, les ennemis de la Guinée. Allez-y voir les commentaires sur nos pages. Quoi, les ennemis de la Guinée? Yo, ça dit quelqu'un qui n'aime pas Doumbouya est un ennemi de la Guinée. Mais là, oui, parce que Doumbouya vous a dit que la Guinée appartient à ses parents. C'est tout. Voilà pourquoi vous dites que nous sommes l'ennemi. Parce que si la Guinée est une république,
La Guinée est un État. La Guinée doit être gouvernée par un président civil, démocratiquement élu, choisi par le propriétaire du pouvoir, qui n'est autre que le peuple. Vous ne pouvez pas dire, appeler les activistes, lanceurs d'alerte, que nous sommes les ennemis de la Guinée. Mais vous-même, en personne, qu'est-ce que vous gagnez avec Doumbia? Des miettes. Parce qu'en réalité, ce qui gagne avec Doumbia, c'est uniquement sa famille. Uniquement sa famille. Vous pensez en vrai que Alpha Condé, le président Alpha Condé, peut se permettre de détourner de façon dont on détourne actuellement là. Celui-là, le président, peut se permettre de détourner comme ça se passe actuellement là. Il peut se permettre. Est-ce que celui-là, Sidi Touré, peut se permettre d'accepter qu'on détourne comme ça? Et puis, pour qu'il y ait une porte de sortie, tu donnes un peu, tu donnes juste un peu, et puis, on freine une action, on dit non, il est parti à l'étranger, c'est ce qui se passe. Non. Voilà Bassi Diouma Faye. Il dit clairement, c'est Ousmane Sonko même qui a prêté la chose. Est-ce que nous allons passer notre temps à poursuivre Macky Sall? Ce n'est pas Macky Sall qui nous a élus, c'est le peuple. On n'a pas de compte à rendre à Macky Sall, c'est au peuple qu'on a un compte à rendre. Et si on ne travaille pas, ce qui est sûr des procès d'élection, le peuple va nous sanctionner dans les urnes. C'est ça la vérité. Maintenant, ceci-là, il travaille pour le peuple? Non, dites-moi qu'il travaille pour le peuple. Regardez, ce qui concerne la population, ce qui concerne le peuple, il a besoin de routes, il a besoin de courant, il a besoin de soins de santé, il a besoin de services publics dignes selon. Mais regardez votre pays. Aujourd'hui, ceux qui sont à l'étranger ont honte de dire qu'ils sont guinéens, clair et net. La démocratie a une toute petite définition. C'est ce que mon frère Badr Ali Chérif dit de tonton. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, voilà la démocratie. C'est la démocratie. Il n'y a pas de démocratie militaire. C'est Alpha Condé qui l'a dit. Quel que soit toi le militaire, quelle que soit ta vie, même si tu aimes tout le peuple de Guinée, ou même tout le peuple, tu aimes tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi, je vais aider un peu. Vous comprenez? Même si tu as 1000 degrés d'amour pour le peuple, mon ami, ton titre là, c'est ton titre. Le titre de Sékouba Konaté, on dit général Sékouba Konaté, c'est un militaire. Mais quand tu regardes, quand on dit Sidi Touré est un civil, c'est un personnage politique. C'est le leader de l'IFR. Quand on dit Kassori est un personnage public. C'est un président d'un parti, président provisoire du parti, un président cancer. Quand on parle de Selma Ndiallo Elage, mais c'est un personnage public. C'est le président du parti de l'IFDG, le principal parti politique. C'est tout point barre. Maintenant, quand il y a un débat politique, on dit élection, c'est eux-là qui doivent se mêler à la danse. Normalement, ceux-ci-là ne se sont jamais plaints de la Constitution. Ils n'ont jamais demandé à quelqu'un de changer la Constitution. Hier même, j'ai compris pourquoi Serouda Lengalo avait dansé à l'arrivée de Madouba. Il a clairement dit, je n'ai pas dansé parce qu'il s'appelait Mamadi. Et ça colle. Et la dame a dit, ah oui, c'est vrai. J'ai dansé parce que ce qu'il a dit, c'est par rapport à ce qu'il a dit. Donc l'IFDG a dansé par rapport à ce qui a été dit lors de la prise du pouvoir. Même moi, Benito, aussi, je suis opposant. Opposant à un régime. Il y a eu coup d'État. Et quand on me tient un discours comme ça, là, je garde l'espoir. Je me dis, ouais, ça marche. Ça marche. Si tout ce qu'il vient de dire se réalise, c'est que, ouais, c'est parti. Mais dis donc, il a tout renié. Il a tout bafoué.
Donc, il s'agit de ça. Et quand j'entends dans la bouche du grand monsieur Elage qui dit clairement, c'est lorsque Fonike Mange a disparu, c'est lorsque Bilo a été exécuté, c'est lorsque Célestin a été exécuté, c'est lorsque les médias sont fermés, c'est lorsqu'il n'y a plus de presse dans ce pays qu'on réintègre un pays. Et nous connaissons les principes, les lois qui régissent la candidature d'un État pour intégrer l'OIF. Ça, ça s'est passé à Bamako. Maintenant, si nous partions de là, la charte, le contenu de la charte pour intégrer l'OIF, parce qu'il ne s'agit pas de parler français seulement, hein. Il s'agit de présenter des critères. On dit, voilà les critères que le pays a. Donc, on enlève, on regarde. La commission technique accepte, valide. Elle soumet au chef d'État. C'est eux qui valident. Donc, c'est chaud. Mais Almène Touabouka, maintenant, on vous dit qu'il n'y a pas de démocratie militaire. Mais vous demandez à M. Maurice Anda, il parle de refondation. N'importe qui, dès que tu parles, on dit c'est la refondation. D'ailleurs, le plus vaurien des forestiers, le plus têtu, lui, il dit que nous ne sommes plus en transition, que nous sommes en refondation. Donc, je ne savais pas que la refondation aussi est une entité politique, la refondation. Je pensais que c'était un état fait. Je pensais que c'était une situation. Je pensais que c'était une qualification, la refondation. Je pensais que c'était, comment on appelle, il y a tellement d'interprétations. Mais Bogola Abba nous dit que nous sommes plus en chose, comment on appelle ça, en transition, que nous sommes en refondation. Je ne savais pas. Hein. Donc, chers frères et sœurs, je voulais prendre ça. Envoyez-moi cette petite vidéo du monsieur-là, à Elaz Ibrahim Sampiri. Donnez-moi ça à Elaz, l'ancien maire de l'Abbé, le frustré maire. Ce n'est pas parce que vous êtes contre l'IFDG que nous allons accepter vos dits, Elaz Sampiri. Pourquoi, lorsque les gens se sont déplacés pour aller voir le patriarche de la forêt, qui a entendu le patriarche faire une déclaration? Personne. Montrez-moi la déclaration du patriarche. Ils ont envoyé une cola pour dire, voilà, nous sommes missionnaires de tel. Ça s'est limité là. Depuis ça, est-ce que vous avez entendu le porte-parole du patriarcat de la forêt faire une déclaration en faveur de Mamadi? Non. Mais monsieur l'ancien maire de l'Abbé, frustré maire de l'Abbé, et là, Ibrahim Sampiri, de l'IPR, de El Hassan Diallo. La Guinée n'appartient pas à vos idées. Vous comprenez? Vous avez fait votre temps. Vous êtes des dépassés. Vous êtes des vieux passés. Vous êtes périmés. Personne n'a besoin de vos avis ici. Vous avez dépassé la soixantaine. Nous parlons du pays. Nous parlons de la jeunesse. Nous parlons du futur. Donc, dans ce débat-là, vous n'êtes pas concernés. Vous n'êtes pas concerné. Donc, ce monsieur, ce délinquant qu'on appelle Mamadi, qui a 41 ans maintenant, ou 42 ans maintenant, ne répond pas aux critères d'éligibilité. Il ne répond pas à la jeunesse, comme disent les artistes de Balthazar. Quoi, esprit jeune? Un jeune qui tue les jeunes, un jeune qui enlève les jeunes, un jeune qui occasionne l'insécurité, un jeune qui tue les gens en pleine journée. Personne n'a besoin de ça. Le jeune présent que nous voulons, c'est comme ATT. Le jeune présent que nous voulons, c'est autre, pas ce genre de jeune. Vous comprenez? Il y a un certain Tierno qui veut intervenir. En attendant, excusez-moi, nous allons réécouter. Voilà. Parce que...
Que même si vous répétez, c'est ce que mon frère dit ici, Diallo-Mouroubou, la Guinée n'est pas un État. Nous sommes dans une chaîne. Mais Raymond Fognon, on dit non, laissez tomber. Kodoumbouya a été président de la République. Hey, vous avez vu, non, c'est vous qui cherchez tous les qualificatifs. Son Excellence, le président de la République, le chef suprême des armées, il est assis, il pense ailleurs. Et le monsieur, je termine par ça, s'il vous plaît. Nous allons réécouter. Voilà. Là où le pays où les Blacks viennent prendre un passeport diplomatique, le monsieur est faussé, il n'a rien maintenant en Europe, il vient prendre un passeport. Réécoutons Yandi, on va se quitter. Je vais être simple. J'ai appris avec l'un des premiers philosophes politiques qu'on appelle Platon que, grosso modo, dans une cité, il y a ceux qui sont chargés d'administrer la cité, qui sont les gens de pensée. Il y a ceux qui sont chargés de défendre la cité. Et puis, il y a ceux qui sont chargés de faire le commerce, de faire les affaires, la production ensemble. Les gendarmes Merci. défendent la cité, c'est leur travail. Ils ne sont pas faits pour diriger la cité. C'est pour ça que Platon dit que la vertu principale des gendarmes, c'est le courage. C'est tout. Le militaire fonctionne à la force brutale. Ceux qui dirigent nos États, beaucoup ont fait l'ENA, ils ont fait Polytechnique, n'ont pas fait l'école de guerre. Quand vous faites l'école de guerre, vous vous battez, vous revenez prendre la direction d'un État. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. C'est ça? Tous les problèmes doivent être à la limite réglés à la force et à la violence. C'est tout? Même les questions les plus diplomatiques qui pourraient être approchées de façon assez intelligente. Non, tout de suite, on bande les muscles, on sort les armes, on veut se battre. C'est La tout. vocation de l'armée n'est pas de prendre le pouvoir et de diriger. Celui qui veut le faire, il démissionne. Oui. Il fait de la politique. C'est ça. Parce que c'est par la parole qu'on gouverne l'espace politique. C'est C'est tout. pas avec la force. Et... Quand ils prennent le pouvoir, qu'est-ce qu'ils font en termes de gouvernance? Qui sait aujourd'hui objectivement comment la Guinée est gérée? Qui peut nous faire aujourd'hui l'état des biens acquis depuis 6 mois, depuis 1 an par la junte? Qui exerce le contrôle? Est-ce que l'administration fonctionne comme elle devrait fonctionner? Qui peut aller voir un général proche de Mamadi aujourd'hui pour lui dire faites le point de vos biens? Déclaration de biens, qui? Il n'y a plus de transparence parce qu'on est en guerre et parce que c'est la logique des armes. Pourquoi vouloir remplacer une gouvernance où on essayait de voir un peu plus clair parce qu'il y a une administration qui fonctionne avec une gouvernance qui fonctionne à la violence? Donc, pour dire ce que je pense, tous les arguments sont bons en Afrique pour faire un coup d'État pourvu qu'on ait la force. Alors, papa. Non. Merci. Merci. On va se quitter ici. C'est mieux. Non. On va se quitter ici. Bon. Nous allons. Comment on appelle ça? Nous allons lire ça pour vous. C'est sous un petit peu, comme si tu m'expliques, je te balance. Si nous sommes amis sur WhatsApp, je te balance. Si nous sommes amis, mon numéro WhatsApp, vous le connaissez. C'est le 00, c'est ceux qui sont sur 001 215 779 67 34. Je vous balance, vous allez écouter. Écoutez, analysez. C'est le résumé de tout ce qui se passe en Guinée. Donc, voilà ce qui m'a été envoyé par mon ami de l'administration du territoire. Voilà, est très proche du palais Mohamed V. La façon dont on m'a envoyé là, je lis comme ça. Voilà. La façon dont j'ai reçu, je vous le lis comme ça. Voilà. C'est mon ami. Il travaille à l'administration du territoire, là où il y a Général Condé. Il a aussi beaucoup de ses frères qui sont dans les forces spéciales. Voilà un résumé ce qui va se passer. Ce n'est pas de moi. Hein. Je fais l'été pour qu'on partage l'information. Voilà. Voilà. Bonjour Benito, comment vas-tu? C'est très important. Voilà. Je te communique cela. Au fait,
Idi Amin demande à Mamadi Doumbouya de faire la politique du président Alpha Condé. Écoutez très bien, Idi Amin demande à Mamadi Doumbouya de faire la politique du président Alpha Condé, ne pas se prononcer sur sa candidature. Et je vais te dire pourquoi cette communication. Il faut faire croire à Mamadi Doumbouya que Idi Amin veut lui prendre. C'est ça au fait quoi. Parce que je t'écris pour que tu le précises. Parce que Doumbouya ne le sait pas. Nous sommes dans l'administration du territoire. Les gens, ça discute actuellement à l'administration du territoire. Où, à tous les niveaux, Idi Amin a infiltré. Voilà pourquoi aujourd'hui, à toutes les sections de l'administration du territoire, les gens font beaucoup attention. Parce qu'aujourd'hui, Idi Amin veut que le petit se trompe et pour qu'il y ait un soulèvement afin qu'il prenne le pouvoir. Donc, je compte. Idi Amin veut lui prendre. Et c'est confirmé. Je te le dis, retiens et tu le gardes. Quand il y aura des soulèvements dans ce pays, la personne la mieux indiquée, pas par les forces spéciales, mais par les autorités françaises, par l'organisation militaire française, c'est le général Aboubacar Seliki Camara, Idi Amin. C'est pourquoi il met la pression sur Mamadi de ne pas rendre publique sa candidature, mais d'acheter les consciences au sein du RPG et d'autres partis, de continuer à financer les partis politiques, des chanteurs, excusez-moi, à financer les partis politiques, des chanteurs et des personnes de moralité douteuse. Et je vais te dire quelle est l'opportunité de cette communication. Aujourd'hui, la situation de prise de Mamadi Doumbouya est assujettie à sa communication personnelle en disant aux Guinéens qu'il est candidat afin que les groupes agissent avant décembre. Je t'avoue sincèrement, cher frère, cher ami, aujourd'hui, il sera pris pour votre trahison. Donc, Idi Amin empêche que Mamadi affirme publiquement qu'il est candidat. Parce que cela ne va pas l'arranger. Aujourd'hui, tout est préparé pour que Doumbouya vote avant le 31 décembre. Parce que c'est une date aujourd'hui qui est ancrée dans la mémoire de 90% des fonctionnaires de l'administration du territoire, de la sécurité. Pour te dire, pour une précision, les dernières familles des membres du gouvernement, des membres des éléments des forces spéciales, ceux qui ont les moyens, ont quitté le pays. Ça là, moi-même je crois à ça. Oui, quand j'ai regardé, j'ai analysé, cela m'a beaucoup échappé. Ça m'a tellement échappé, j'ai dit non. Mais j'ai lu, j'ai analysé. J'ai dit non, ça c'est vrai. Ça, là, c'est vrai. Donc, nous encourageons le RPG. Nous encourageons l'IFDG. Nous encourageons l'IFR. Nous encourageons la société civile. Aidez-nous pour empêcher cela. Aidez-nous pour empêcher cela. Le résumé de la haine, c'est Idi Amin. Le résumé du mépris, c'est Idi Amin. Le résumé de la méfiance, c'est Idi Amin. Le résumé de la haine, c'est Idi Amin. Le directeur, le protocole de la haine, c'est Idi Amin. Aujourd'hui, son porte-parole est le numéro un des ethnos de ce pays-là. Dané, l'ancien gouverneur de la paix, l'ancien ministre de la sécurité. Donc, aidez-nous. Nos yeux, nos oreilles, c'est Sidya Touré. Nos yeux, nos oreilles, c'est Cellula Ndiallo. Nos yeux, nos oreilles, c'est le RPG arc-en-ciel. Bonne nuit, portez-vous très bien. Vous comprenez? Voilà. Ceux qui veulent la vidéo du monsieur, vous connaissez mon numéro WhatsApp. Il suffit de dire c'est moi, tel, je vous envoie la vidéo, c'est fini. Bonne nuit, portez-vous très bien.
On se reprend demain. Parce que, non, Ousmane Kabar, j'ai dit le directeur et le porte-parole, mais Ousmane Kabar, c'est le nerf, c'est-à-dire, c'est lui, ça passe par là. Mais aujourd'hui, il a le problème, depuis sa déclaration, là, il paraît qu'il a le sérieux problème. Donc, bon, il portez-vous très bien, monsieur. Ricardo Onoaï, Ricardo, mon champion, respect à toi. Bana Bana, merci, bonne nuit à tout le monde. Alpha de tout, comment vas-tu? Bonne nuit, portez-vous très bien, on se reprend demain, Inch'Allah. Vous comprenez? Voilà. Tonton, le tonton a fait ma soirée, donc moi, je m'en vais très bien. Je vais manger et puis dormir. Franchement, il a fait ma soirée.